allez, on y est. L'avant-dernier run avant le jour J, dimanche prochain. Donc aujourd'hui, petit footing matinal de seulement 30 minutes en endurance fondamentale. Donc vraiment tranquille, comme vous pouvez le voir. C'est le premier run de 30 minutes de la semaine. J'en ai un deuxième à faire jeudi par les 30 minutes. Donc là, c'est juste deux runs pour pas se fatiguer, mais juste pour faire tourner les jambes, histoire de rester actif avant le marathon qui aura lieu enfin cette semaine, fin de semaine, donc dimanche 3 avril à Paris. Et je réalise pas que c'est bon, je suis dedans là. Ça fait plus de 10, enfin ça va faire 10 semaines que la prépa a commencé. Je réalise juste pas, le temps est passé tellement vite. J'ai fait beaucoup de progrès, que ce soit mentalement et physiquement, sur la course à pied, donc ça fait extrêmement plaisir. C'est juste incroyable. Donc là, ce run, ce qui est aussi important, c'est de tester tout le matériel. Donc là, j'ai probablement ma tenue pour le marathon de dimanche. Donc le t-shirt basse performance, avec le petit short de run basse performance aussi, le truc de compression en bas, et la petite ceinture que j'ai achetée à Decathlon juste avant, et bien évidemment la fameuse casquette. Donc là, le but, c'est juste de tout tester sur les deux derniers runs de 30 minutes pour voir si le matériel me convient, s'il n'y a pas de frottement, si je me sens bien, si je suis à l'aise. Bon, là, ça va être le test de la gourde molle, la fameuse. Oh, y'a rien qui sort. On. Mais. Voilà. J'ai juste tourné sur on. J'avais pas vu. Donc extrêmement pratique, gourde molle, que je peux tenir dans la main comme ça sans trop de problèmes. On a juste à croquer et ça sort. En tout cas, comme je vous le disais, c'est juste ouf que je sois dans l'avant-dernier run là. Ça va faire 10 semaines que je vous ai partagé cette expérience, cette aventure dans cette prépa marathon. Environ 300 km de couru depuis le début. Je réalise tellement pas. Et votre soutien, les gars, depuis le premier épisode, il a été sans faille. Vous m'avez donné tellement de force, tellement de soutien, que cette course, je vous la dois à vous aussi. Donc, vous pouvez être sûr que si j'ai des moments de mou ou des coups durs dans la course, je vais tellement penser à vous et au fait que je ne dois pas vous décevoir et que je vais tout donner pour montrer l'exemple. Ne vous inquiétez même pas. Vous savez que le mental du bazou, il est fort. Et il faut que je prouve ça dimanche. Voilà, mif post-running, on va se retrouver donc pour le post-workout et également le premier repas de la journée, on va dire, parce que là, avant de partir, je me suis juste fait un skyr pour avoir la source de protéines. Donc j'ai pas beaucoup mangé, j'ai pas pris de glucides parce que je suis parti plus tôt que d'habitude et j'aime bien courir le ventre léger. Donc voilà, j'ai juste pris la source de protéines pour être safe au niveau de la perte musculaire au cas où. Et donc là, pour le post-workout, je vais me faire directement une scoop de créatine comme d'habitude, dispo sur le code sur le site MyProt avec le code base. Et ensuite, pour les glucides et les calories, j'ai ici deux muffins coupés en deux, donc il y a quatre tranches avec du beurre de cacahuète crunchy et du beurre de cacahuète smooth et par-dessus du miel. Donc comme ça, les muffins, ça me fait les glucides, beurre de cacahuète, j'ai un petit peu de lipides pour les calories parce que là il y a quand même une grosse portion, et le miel, bah pareil pour les glucides et la récupération. Je vais manger un croc là parce que ça me donne trop envie. Et bien évidemment, les muffins sont grillés. Oh, mais qu'est-ce que c'est bon. Un beurre de cacahuète miel. Vous vous rappelez, depuis l'époque de Strasbourg, plus beau pont de France. Ça change pas. Bon, sinon, verdict au niveau de la tenue, je lui donne vraiment un 10 sur 10. Déjà, le bleu marine avec le bleu ciel, je trouve que ça va hyper bien. J'avais un confort de fou, le t-shirt il est hyper léger. Donc, le short basse performance. D'ailleurs, toute la tenue, là, le haut et le bas, ils sont disponibles sur le site et ils sont toujours en solde. Et je les trouve vraiment top. Et c'est même pas parce que c'est mes habits que je dis ça. D'un côté aussi, mais ils sont vraiment, vraiment stylés. Le t-shirt, il est hyper léger. Et donc, le short de run. Ce qui est cool, c'est que j'ai la petite poche derrière. Je sais pas si vous voyez, juste ici. Donc, en plus de ma petite ceinture que j'ai achetée, j'ai une poche supplémentaire, si jamais. Et donc, la petite ceinture que j'ai achetée, là, elle est vraiment nickel. Parce que juste ici... Désolé pour l'angle de vue un petit peu chelou. Juste ici, donc j'ai pu mettre ma gourde qui s'enlève très facilement. Et vu qu'elle est molle, je peux vraiment la garder en main pour courir. J'ai juste à croquer mes dents là-dedans pour que ça s'ouvre, tu vois. Donc ça, c'est hyper pratique. Et derrière, juste ici, je peux donc mettre mes gels
assez facilement. Et vu qu'il y a pas mal de place, je peux mettre plusieurs gels sans trop de difficultés. Parce que je m'habitue à les choper. Voilà, donc je vais mettre au moins 3-4 gels dans mes poches avec la gourde. Et voilà, la tenue, elle est là. Maintenant, plus qu'à faire le taf. Et on va se dire que, vu que c'est du Base Athletics, ça va décupler mes performances. Donc voilà, 10h, bonne journée qui commence. Merci de mettre un petit pouce bleu, c'est pas encore fait. Je vous retrouve juste après. Ah là là, dimanche, je cours un marathon. 42 km. Bon, la mise, je suis actuellement au nouveau Basim, le Basim version 2, en train de siroter mon petit shaker de whey post-running, donc 40 grammes de whey. Et vous n'avez pas idée à quel point le Basim que j'ai en face de moi là, il va être incroyable. Je peux pas vous montrer, j'ai pas envie de montrer ça tout de suite. Là, on reste focus sur la prépa marathon. Vous pouvez juste admirer le cadre extérieur qu'il y a juste derrière moi. Et ben voilà, faites-moi confiance quand je vous dis que ça va être fou et que je vais pouvoir organiser de belles choses. Vous allez pouvoir venir vous entraîner. On va être. Oh putain, j'ai hâte. Vous imaginez même pas là ce qu'il y a devant mes yeux. Essayez de regarder au fond de mes pupilles, voir s'il y a un effet miroir. Non mais franchement, là, dès que le marathon il est terminé, je me mets à 100% là-dessus. On déménage le Basim actuel. Je vous ferai un dernier petit tour pour la nostalgie, bien évidemment. Et ensuite, on va venir ici. Mais regardez juste le cadre qu'il y a derrière moi, ce calme et ce grand espace que j'ai. Ça va juste être terrible. Donc voilà, si je peux vous dire ça. Là, je vais rentrer. J'ai fait pas mal de petits travaux donc avec le propriétaire actuel et avec mon père. Mais vu que je suis une qui en travaux, je peux pas les aider. Je peux pas faire grand chose à part nettoyer. Donc là, je vais rentrer à la casa prendre le déjeuner. Et je vous retrouverai après pour la suite de cette vidéo. Ça va être incroyable. Ça va être juste ouf. Putain, qu'est-ce que j'ai hâte. Un peu de patience. Oh la mif, si vous saviez comme je suis bien là. Donc je profite de la petite digestion. Je viens de manger mon fameux riz viande hachée. Donc c'était pas de la viande hachée, c'était des steaks hachés. Je suis en train de boire mon petit café, j'en profite pour bosser un petit peu sur l'ordi, pour continuer d'avancer sur les projets. Et juste avant ce café, je viens de me taper une sieste de 20 minutes. Voilà, ça c'est un truc que j'aime bien faire lorsque je suis dans une phase de récupération où je dois être en forme. Vous vous rappelez, ceux qui me suivaient à l'époque où j'avais des examens de kiné, comme j'avais pas mal de stress et que je me levais un petit peu plus tôt, j'adorais faire une sieste de 20 minutes juste après le déjeuner. Parce que c'est là généralement que j'ai un petit coup de barre. Donc ce que je fais, c'est que je mange et dès que je sens que je suis en mode digestion, je me pose sur le lit, sur le canapé, peu importe où, et je m'endors pendant 20 minutes et ça fait tellement, tellement du bien. Que ce soit physiquement, mentalement, c'est juste ouf. Si vous avez jamais testé des siestes courtes de 10, 15, voire 20 minutes, je vous assure, essayez, c'est un gros, gros, gros game changer. Vous voyez, j'ai également des chaussettes longues de compression qui viennent donc de chez MyProtein. Tout simplement, comme j'ai couru ce matin et que là, je suis dans une semaine de récupération, ça fait du bien pour la circulation du sang et ça peut aider au niveau de la récup, notamment au niveau du mollet, le tendon d'Achille. Bah, comme c'est des chaussettes de compression, ça va un petit peu activer la circulation du sang, donc ça peut que être bénéfique. Donc voilà, en tout cas pour le canapé, ça c'est ma nouvelle petite acquisition, comme vous pouvez le voir. Rien de fou, on a juste des palettes sur lesquelles vous mettez des coussins. Donc ça c'est pas mal à la mode, mais j'ai décidé de faire ça. Donc j'ai essayé de prendre des coussins de couleur pour que ça soit un petit peu plus stylé. Et c'est parfait pour bosser comme je suis actuellement. Tu viens, tu te poses et tu dors. Soit tu dors, soit tu bosses, c'est plutôt sympathique. Donc là, sinon, programme de cet après-midi, je dois retourner au Basim actuel pour commencer à emmener du matériel dans le nouveau Basim. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un tour du Basim version 1. Ça va être peut-être genre le dernier tour où il y a tout le matériel parce que j'ai encore rien déménagé. Et voilà, parce qu'on va commencer à lui faire nos adieux à ce fameux Basim qui nous a accompagné pendant presque un an et demi. Ça va être triste. Je vais lâcher ma petite larme. Non, donc voilà, je vais bosser sur l'ordi tranquille, finir mon café et je vous retrouve après. Ah là là.
qu'est-ce qui va nous manquer, ce Basim? Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que je dois faire, en fait, comment je dois déménager tout ça, tout ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de taf. Et je vais vous montrer, en fait, pourquoi c'est plus compliqué que ça en a l'air et pourquoi j'étais bloqué là aussi pendant quelques semaines au niveau du déménagement. Mais voilà, je pense que ça va quand même me faire quelque chose de bouger d'ici. Je vais pas vous faire maintenant le tour complet, la vidéo et tout, parce que je pense qu'après le marathon, je reviendrai ici, je vous ferai une vidéo propre comme il faut pour le changement du base gym, pour la fin de celui-ci et l'upgrade, donc l'update de la version 2 du base gym. Mais là, en fait, je vais juste vous montrer 2-3 trucs, quoi. Donc déjà, qu'est-ce qu'il y a? C'est que la première chose, c'est qu'il y a trop de matériel à déplacer. Et il y a du matériel que j'utilise parce que c'est du matériel de muscu et j'en ai besoin pour mes entraînements. Donc ce que je pouvais faire, c'était commencer à emmener une partie dans le nouveau local pour le laisser là-bas, pour voilà, avancer un petit peu. Mais si j'ai la moitié qui est dans l'autre local, bah que ça soit des vêtements ou du matériel de muscu, je peux pas faire les commandes et je peux pas m'entraîner parce que j'ai tout qui est dispatché à droite à gauche. Donc déjà par rapport à ça, c'est la galère. La deuxième galère, c'est que vous voyez, à la limite le petit matériel, genre tout ce qui est disques, les haltères et tout, ok c'est peut-être lourd, mais ça, ça se met facilement dans une camionnette, dans une voiture. Mais les machines, elles sont hyper grosses, donc je vais devoir en démonter une partie et elles sont super lourdes, surtout le leg curl et la poulie là-bas, bah comme on a la colonne de poids, c'est extrêmement lourd, donc ça, ça va être un petit peu galère. Ensuite, on a également le rack de poulie, le rack avec la barre que je vais devoir dévisser. Donc en soi, il y a beaucoup de boulot. Et la pire des choses que j'ai commencé à faire hier, je vais vous montrer ce que c'est. C'est ça, le sol. J'ai oublié que j'avais mis des dalles et j'ai oublié que j'avais mis du scotch double face sous ces dalles. Et je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai fait. Là, vous voyez celle qui est ici, je l'ai enlevée, elle est juste là. Et j'ai dû retirer tout ça de scotch double face. Et en fait, attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que c'est juste horrible. Il y en a tellement. En fait, si tu soulèves là, voilà le scotch double face que j'ai mis. Et ça, c'est juste un coin. Et dis-toi, il y a tout ça sur tous les coins de toutes ces dalles. Mais ça va me prendre une éternité. Je me suis explosé long, j'ai pris la raclette, il y a rien qui va vite. Mais vous imaginez que j'ai enlevé le scotch double face de tous les coins de toutes ces dalles. Ah, je préfère courir un marathon. Mais voilà, en tout cas, je vais quand même vous montrer là comment il est avec absolument tout le matériel parce que j'ai encore rien ramené, j'ai encore rien déménagé. Et comme je vais commencer là à mettre quelques cartons dans la Basing Golf pour les emmener dans le nouveau local, notamment le rack pour halter que je n'ai toujours pas monté, tous les disques calibrés que j'ai reçus que j'ai toujours pas pu utiliser, les disques non calibrés là de 25 kg, il y a énormément de choses. Là on a tout le stock des vêtements là aussi. Donc voilà, il y a du boulot, beaucoup de boulot. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à déménager le Basim, tout le site est en solde pour cet événement. Donc si vous voulez prendre votre tenue Bas Athletics, c'est maintenant jusqu'à 40% sur tout le site. Vous aiderez Bazou à déménager, vous m'allégeriez du poids et ça ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, on est parti, je vais commencer à ranger déjà toute cette partie. En vrai, je vous ai dit c'est les journées de repos, mais c'est pas reposant, ça. La vraie question que je me pose, là, c'est combien de kilos je peux mettre dans la Basing Golf avant que les roues rayent la carrosserie. Bon, on va se contenter de ça, je pense. Si j'ajoute encore un seul kilo, la voiture, elle va littéralement se casser en deux. Donc, je vais ramener tout ça au nouveau Basim, mais je vous retrouverai juste après. Force. A few moments later.
les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, vidéo un petit peu spéciale vu que c'est également celle qui marque la fin de cette série sur la prépa de mon premier marathon, donc la fameuse Marathon Prep. Donc fin de cette série, c'était réellement un plaisir et un honneur de vous avoir partagé tout ça au cours de ces 10 semaines. Car oui, ça fait quasiment 10 semaines que j'ai commencé cette prépa marathon, que je vous sors les deux vidéos par semaine. Et il y a à peu près 10 semaines, c'est la première fois que je me suis allé sur internet pour m'inscrire pour le marathon de Paris. Donc je réalise pas à quel point le temps il est passé vite, mais voilà, c'était juste fou, ça changeait un petit peu de la muscu, c'était complètement un monde différent pour moi, des nouvelles sensations, une nouvelle programmation. Donc voilà, c'était vraiment une expérience unique. Et maintenant le plus dur est derrière moi et la plus belle des choses m'attend dimanche, donc dans 4 jours, le fameux marathon de Paris. Donc voilà, en tout cas j'aimerais vous remercier du fond du cœur d'avoir suivi avec moi cette série, donc pour la prépa marathon, assidûment chaque semaine au cours de ces 10 semaines. Ça me faisait un petit peu penser à la série de chaque été quand je fais ma sèche, épisode 1, 2, 3, donc c'était vraiment terrible. Je sais qu'il y en a qui préfèrent la muscu, mais voilà, je me devais de faire un marathon, c'était un objectif que je m'étais fixé. Et je peux enfin dire que j'ai fait une prépa marathon. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre 4 jours et donner le maximum de moi-même dimanche à Paris. Alors en tout cas, je ne sais pas ce que je vais vous faire comme vidéo pour dimanche soir, vu que là, je vais vraiment être focus sur le marathon. Donc, je préfère vous dire que là, cette vidéo, c'est la dernière vidéo avant le marathon. Donc, si vous souhaitez me donner de la force, m'écrire un petit commentaire pour me soutenir, m'encourager, je vous invite à le faire là maintenant sur cette vidéo en commentaire. Je vous assure que ça me donne énormément de pêche et de force de lire tous vos commentaires. Et je pense que là, dans les jours qui viennent, si je vois tous les commentaires, je vais être encore plus motivé à donner le maximum de moi-même pour dimanche. Donc si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire juste pour voilà, me donner ta force et ton soutien. Moi, je vais lire tous les commentaires. Et même samedi soir, la veille, je vais me poser dans le lit et je vais relire tous vos commentaires. Et je vous assure que ça donne une force incroyable. Voilà, donc merci à vous pour votre soutien. Et j'ai hâte de, que ce marathon se termine. Pour plusieurs raisons, parce que je vais pouvoir me remettre focus sur le nouveau Bass Gym, sur une nouvelle collection de vêtements qui vont arriver courant avril, et également sur de nouveaux projets. Je ne sais pas encore sur quoi je vais m'entraîner une fois que le marathon sera fini, si je vais garder la course à pied, si je vais refaire du vélo, si je vais me mettre sur un triathlon, si je vais me mettre sur plutôt le physique, plutôt la force. J'en ai aucune idée. On fera un point sur tout ça après le marathon, sur le physique, sur mes perfs, sur mes prochains objectifs. Mais je peux juste vous assurer que dès que le marathon sera fini, j'aurai une grosse charge mentale et physique en moins. Donc je vais pouvoir me remettre à 1000% sur des nouveaux projets. Et c'est ça qu'on kiffe. Et à travers cette caméra, à travers ces petits vlogs chaque semaine, je peux vous filmer tout ça, vous partager mes projets, mes objectifs. Et c'est fou. C'est fou que vous soyez là pour me soutenir quoi que je fasse, que ce soit une sèche, une prise de masse, des perfs, un marathon, le Bass Gym, ma marque de vêtements. C'est juste incroyable et je donnerai tout pour continuer à vous motiver, à vous inspirer, à vous faire passer du bon temps. Donc voilà, c'était le petit speech important. Donc en tout cas, merci encore de me laisser un petit commentaire et un pouce bleu pour donner de la force. Maintenant, à moi de donner le maximum dimanche. Si tu seras présent aussi sur Paris dimanche pour le marathon, que ce soit en tant que participant ou simplement en tant que spectateur, je ne sais pas si tu vas voir un pote, quelqu'un de ta famille, ta copine, ton copain, un de tes proches. Si tu seras là dimanche, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir d'en croiser certains, de vous voir, que ce soit sur la course, en tant que spectateur, au départ ou même à l'arrivée. Ça serait vraiment génial. Donc on va voir ce que ça va donner dimanche. Je vais essayer de vous vlogger ce que je peux. Et si je peux vous caler une vidéo, soit dimanche soir, soit samedi soir, peut-être une fois que je serai à Paris, je ne sais pas. On verra bien, mais en tout cas, merci à vous d'avoir été présents, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et bisous, prenez soin de vous, force à tous ceux qui vont courir dimanche, force à tous les autres qui sont en muscu, en sèche, en prise de masse, pour vos projets, vos travails perso, votre famille, je vous aime les gars, bisous.